Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le vlog numéro 2. Du coup, on va papoter un petit peu de ce qui va se passer un peu dans la semaine, parce que j'ai un peu prévu quand même. Je m'organise un petit peu pour être à jour dans mes activités, les choses comme ça. Pause beauté, je me suis un peu coupé les pointes parce que j'avais les cheveux trop abîmés. Du coup, je me suis dit ça leur fera du bien pour la rentrée, c'est parfait. Du coup, on va faire du DP cette semaine. Oui, on va faire un peu de DP quand même. Enfin, on verra, hein, parce que j'ai pas mal encore de colo à faire. Et je suis pas mal motivée ces derniers temps à plus colorier que à faire autre chose. Donc déjà, on va aller dans Histoire éternelle, ce magnifique livre-là. Je me tâte à prendre le vilain. J'ai envie de me prendre le vilain, mais je sais pas, je verrai. Je suis en train de faire celui-là. Voilà. Je le fais en trio, donc du coup, les filles l'ont faite et je suis la dernière. Donc du coup, j'aimerais bien... je vais l'avancer un petit peu ce matin. Il faut que j'aille juste faire ma vaisselle, ranger mon linge. Et après, je vais le faire. Je vais aller côté cuisine, comme ça, mon fils, il peut dessiner. Il aime bien dessiner un petit peu à côté. Voilà, on fait un éveil comme ça, ce matin, tranquillement. DP, j'ai commencé hier... oui, c'est hier. Non, avant-hier. La toile pour le défi félin. Donc, c'est la boutique Piggy Zoo, je crois, un truc comme ça là. Et bah, franchement, je vous recommande pas la boutique. Je vous montrerai du moment venu. On ira peut-être dessus un peu cet après-midi. Sinon, aussi, j'ai le pop art à faire. Il faut vraiment que je le fasse celui-là. Je le fais en binôme aussi. En binôme, c'est Pan Pan d'amour. Donc voilà, nous avons pas mal encore deux colos à faire pour être à jour. Après, il y a les autres, mais bon, les autres, ça peut attendre un petit peu. Donc voilà. Ça va être les deux urgents à faire et finir en début de semaine. Je crois qu'elle m'a dit, Christelle, la chaîne Fun Big Man, j'avais jusqu'au 8. Donc voilà, c'est jouable. Si je fais que ça, c'est jouable. Et puis au moins, après, je peux un peu naviguer. Et cette semaine, je vais essayer de vous sortir ma pack. Oui, ma pack du Fit Challenge 2021. Le pumpkin, je ne l'ai pas encore fait, la petite pack à colorier. Donc, du coup, on verra par la suite. Vous allez voir un petit cheveux de babane. Voilà. Donc, voilà. Bon, ça me bouge. Ah, je suis désolée, mais avec le petit. Donc, et ben voilà pour cette semaine. Moi, je vous reprends un peu plus tard. Là, je vais faire ma vaisselle et tout. Bon, ça, vous vous en foutez. Allez, à tout de suite. Et recoucou, du coup, je vous prends. On est début d'après-midi, toujours lundi. Je suis en train de finir, vous voyez, ma gorgeous. Oui, je voulais. J'ai colorié un tout petit peu ce matin, mais du coup, je me suis dit, allez, je vais finir d'avancer ma gorgeous. Voilà. Là, j'ai envie de DP, donc on DP. Voilà. Je colorierai peut-être ce soir ou demain, on verra. Donc voilà, là j'aimerais bien la finir. La semaine dernière, j'ai pas voulu DP, donc du coup, on se rattrape un peu cette semaine. Donc voilà. Je vais manger du bleu. Je vais manger beaucoup de bleu même. J'aime le bleu, mais bon, c'est pas grave. J'en suis à la fin, je vais pas me plaindre. J'aimerais bien la finir, celle-là. Donc voilà. Ce matin, je suis allée un peu faire des courses. J'ai galéré. J'ai vu. J'ai mon sac de courses qui a craqué. Et en fait, normalement, je les mets sur. Enfin, vous savez, je les accroche à la poussette. Du coup, j'ai dû le mettre sur la poussette. Il y avait Baban assis dans la poussette. Oh là là. Pierre allait, parce que c'était un peu sur sa tête. Après, il était bien, ça a pas été du soleil. Ah là 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 là. Qu'est-ce que vous voulez? Mais bon, là j'attends, là j'ai fait la deuxième dose, j'attends que le pass soit validé. Faire mon rendez-vous pour le code. Puis voilà. Donc voilà, là je vais finir là. Je montrerai le bleu à la fin. Donc voilà. Bon, j'espère que vous passez un bon lundi. Hein? Donc voilà, moi j'avance petit à petit mes toiles. Là, je faisais une pose de Piggy machin, là, Piggy Zoo. Je la reprendrai tout à l'heure dans la semaine. Et je vais poster un petit peu ma mini avancée sur le groupe. Et puis voilà.
Bon, moi je vous reprends un peu plus tard et je vous fais des bisous. Hey, re-coucou. Alors, on est mardi, on est en début d'après-midi. J'ai posé la petite à l'école, le petit il fait un peu sa sieste, il fait sa petite sieste. Voilà, donc du coup, bah, moi je me suis dit, je vais avancer mon carré. Et en plus, je suis malade parce que j'ai pas fait mon café encore. Oh, ouais, j'irai faire après le rush. Du coup, là, je suis en train de l'avancer. C'est mon dernier carré. Ça y est, après, elle est finie. Ma petite gorgeous. Bah, je vous ferai la revue hein, dans la semaine, je pense. Que, ouais, d'ici cette semaine, elle sera finie. Hein, la vidéo sera en ligne. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai fait pas mal de petits craquages. Voilà. Enfin, j'ai fait un craquage ce matin sur DAC, German Art Club. En fait, j'ai reçu un email en me disant qu'une toile que j'attendais depuis un an me dit emoji et elle est disponible. J'ai dit, bon, bah, je précommande et tout. Alors après, je sais pas, ils m'ont marqué un truc avec taxe et tout, donc je sais pas si ça sera compris ou pas. Du coup, je me suis dit, il faut que j'aille retirer les sous pour quand le monsieur va arriver. Voilà. Comme ça, c'est fait. Il aura je vais pouvoir comme ça je pourrais le payer directement au cas où, mais bon je sais pas, ça m'a remarqué taxe, je sais pas quoi. Donc on verra bien, de toute façon je la reçois pas avant fin septembre, donc bon. Voilà. Quoi d'autre? Une petite surprise aussi, mais bon, ça vous verrez plus tard dans une autre vidéo. Je vous en parlerai un peu plus après. Voilà. Donc bon, écoutez. Lundi, je vous ai, enfin dimanche plutôt, je vous ai un peu coupé. Donc, je parlais de la rentrée de ma fille. Bon, ça s'est bien passé. Là, le lundi et mardi, elle a un maître. Et elle appréhendait un peu d'être avec le maître. Il y a pas mal d'enfants dans l'école qui aiment beaucoup ce maître. Et elle, de l'homme, au lignin, là, motichi. Bon, c'est Cassandra, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ce soir, je vais essayer de préparer les diamants, vous savez, pour les stickers pas de patrouille et les princesses que Alison m'avait gentiment offert. Et vu que demain, c'est mercredi, je pense qu'on fera ça. Je ferai ça avec les enfants et puis je vous y filmerai un petit peu. Ça peut être sympa. Voilà. J'y mettrai dans le vlog, hein, par contre, parce que j'ai pas trop envie que... ça sera plutôt vraiment mes abonnés... les personnes qui aiment me suivre, voilà. Voir les enfants et pas une vidéo, voilà. Quoi d'autre? Là, je suis en train vraiment d'avancer mes toiles. Après celle-là, je me rattaque à la félin parce que là, je prends du retard à finir ma gorgeous. Mais bon, comme je disais la semaine dernière, si je la finis pas maintenant, après, on va rentrer un peu dans le move et on y est déjà l'automne, Noël, tout ça. Donc, voilà. Là, je voulais vous retourner, mais je suis un petit peu fatiguée. Donc j'ai essayé de prendre ma motivation pour aujourd'hui, mais je pense que vous l'aurez quand même. Mes toiles finies. Je voulais vous faire mes toiles finies. Voilà, comme ça, vous êtes à jour. Bah, après, peut-être la semaine prochaine ou à partir de la semaine prochaine, je tournerai petit à petit mes toiles en stock. Voilà. Bon, bah, celles qui me connaissent, elles savent déjà ce que j'ai. Et d'autres, bah, vous découvrirez ce que j'ai en stock. Voilà. Après l'étoile finie, je pense que je vais vous faire balader entre les murs parce que j'ai pas envie de décrocher, recrocher. Il y en a que deux que j'ai pas encore accroché. C'est ma toile Mickey. Enfin, et puis je compte pas l'accrocher parce qu'elle est à part la mettre dans mes toilettes. C'est pas non plus voilà. Et la toile bébé. Ma toile de mon bébé léopard, je ne l'ai toujours pas accrochée. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de mettre de la pâte à fixe derrière. Ça n'a pas tenu. Il a fait que tomber. Et du coup, je vais attendre d'acheter un cadre. Je vais remettre les diamants. Parce qu'il y a des diamants qui sont tombés, forcément. Hein, la toile est tombée avec les diamants. Et les diamants, ils ont pop. Quelques diamants. Voilà. Après, je voulais tester aussi. J'ai acheté du vernis colle que je ne sais pas où je l'ai mis encore. Mais bon, ça, c'est licornasse. Je vais vous le retrouver et je vous montrerai. Et je vais essayer sur la Gorgeous. Ou sur le Mickey. Tiens, je vais essayer sur le Mickey, pas beau.
au cas où. Parce que la gorgeous, elle va aller sur mon mur gorgeous. Donc, voilà. Mais je pense que là, je vais me boire un café. Puis, je me motive à vous la faire, cette petite vidéo. Ça prend pas longtemps. En plus, le petit, il dort. Donc, on peut en profiter. Comme ça, il n'y a pas de bruit de fond. Et puis, voilà. Quoi dire de plus? Ben, écoutez, hein, là, je suis en train de faire du bleu. Hein. Je bois la vie en strumpf. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On me dit, Jess, chef. Chef, elle me dit, bah moi aussi avec Winnie, bah voilà, on compatit, on est tous les deux sur du, toutes les deux sur du bleu. Enfin, je l'aime bien, hein, mais j'aime le bleu, mais là, non, je rigole, ça me gêne pas. En plus, franchement, cette boutique, j'essaie hein, de vous trouver des avis un peu du négatif, mais pour l'instant, j'en ai pas tant que ça. Hein. Alors, chez Kiku, elle m'a dit qu'elle, ça lui. Elle voulait m'envoyer l'étoile de Nico, mais elle m'a dit moi je les aime pas, tiens, je vais te passer les miennes, tu vas voir, mais vas-y, passe-les-moi, je vais voir. Je comprendrai pas du même vendeur d'une toile à elle, de ce que moi j'ai commandé et elle, enfin, cette différence, quoi, parce que moi, personnellement, enfin, la pose, elle est parfaite, quoi. Là, vous voyez, je suis un damier. Depuis tout à l'heure, je suis concentrée, j'arrive à gérer mes damiers. C'est à force de voir les vidéos, les loisirs, les passions de Jess. À force de voir ses vlogs à faire des damiers et des damiers. Voilà. Suis en train de regarder son vlog. Non, là, je suis sur Stéphie. Je suis en train de me rattraper le retard sur Stéphie Sudcolor. D'ailleurs, c'est à cause d'elle. Non, c'est pas à cause d'elle parce que du coup, à moitié, ça. Je suis sur la vidéo renard là. Il faut que je regarde sa vidéo, le tag là de A à Z. Moi je le ferai pas, ça va être trop couture. C'est. Oh là là, vous imaginez moi faire ça? Oh là là, vous imaginez moi réfléchir à toutes les lettres? Oh là 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 là. Non. Bon. Du coup, voilà, j'étais en train de regarder. Et en fait, du coup, fait sa petite vidéo avec son petit bébé renard de Oraloa. Et comme vous savez, moi je suis une amoureuse des animaux. Et une pipi renard, je me suis dit, oh, elle est trop mignon. En plus, c'est bien la période, là, les renards, tout ce qui est un peu animal de la forêt, les choses comme ça, c'est trop mignon. Et du coup, je vais voir au Raloa, vite fait, comme ça, je fais une petite curieuse. Non, mais sans penser, oh, voilà, je viens de rater mon ami, attendez. Tac, tac. Ah non, alors, du coup, après. On fait comme ça. Hein. Ah! Il y a un poil d'Oréo. Du coup, je vais voir le site un petit peu. Je fais une petite pause sur sa vidéo. Bah, y avait la pub. Donc, du coup, j'ai dit, allez, moi aussi, je vais faire une pub. Je vais faire une pub au Raloa. Comme ça. Voilà. Et du coup, je vais voir. Et en fait, finalement, elle n'était pas. Elle était enfin, si, elle est en stock. Mais elle est plus valable en Europe. Et en fait, moi, ce que j'ai compris avec Oraloa, c'est quand ils disent que c'est disponible en Europe, c'est là où vous êtes livré rapidement. Donc, moi, vous me connaissez. Hein, ouais, ma patience. Du moment que c'est plus en. Du moment que c'est pas en Europe, eh ben, je vais attendre. C'est pas grave. Mais du coup, bah, j'ai craqué pour autre chose. J'aime beaucoup l'artiste. Ah, je vais vous dire que je l'aime, mais je ne me retiens pas. Naku. Je sais plus. Oh, elle fait des toiles. Elle fait des toiles. Oh, j'adore. Ah, j'adore les petites chibis, les petites choses comme ça. J'aime trop. J'adore. J'adore. Du coup, j'en ai craqué. J'ai craqué pour une autre. Ah, c'est celle qui fait Lady Death, d'ailleurs. Du coup, voilà. Et puis j'ai craqué pour autre chose, mais ça vous le saurez un peu plus tard parce que ce n'est pas pour moi. Voilà, c'est pour vous. Mais ça vous le verrez bah, peut-être soit dans la semaine s'il livre comme la dernière fois en 48 heures ou bah, la semaine prochaine. Mais bon, on verra bien. C'est pas moi qui choisis ma livraison quand ils vont me livrer. Voilà. Et puis ça me laisse le temps de réfléchir de comment je veux faire. Voilà. Ensuite, bah voilà, hein, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre?
Là, je vais essayer de me faire mon café. Je vais continuer mon damier. Et j'ai fait un damier parfait là. Et je mérite un Malteser, chef. Chef, chef, tu peux me payer en Malteser là, hein? Bon. Voilà. Donc, en fait, et puis là, je ne sais pas si vous réalisez, mais comment vous pouvez. Là, je pense que vous pouvez comprendre comment je peux me fatiguer ou me saouler moi-même. La semaine dernière, je vous parle vlog, German painting, tout ça, je fais du colo. Là, hier, je vous parle vlog, colo, je vais faire du colo, je fais du German painting. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi des fois j'arrive à me saouler moi-même? Je me fatigue moi-même, j'ai besoin de personne pour me fatiguer. Des fois. Alors des fois j'accuse les gosses, mais finalement, mais même moi-même, je me fatigue. Et voilà, là j'ai raté. Je vais compléter. Ce stress. C'est grave, hein, quand même, hein. Dites-moi que je suis pas la seule, parce que franchement, ça a été contradictoire avec moi-même. Dites-moi que je suis pas seule, quoi. Que vous aussi, vous vous contredisez. Ah oh, non, mais c'est pas possible d'être comme ça. Hein. Voilà. Ah bah voilà, vous voyez, une première lettre, c'est contradictoire. Bon. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, c'est tout. Je vous retrouve un peu plus tard quand je l'aurai un petit peu avancé. Enfin, ou peut-être pas. Vous me verrez peut-être avec la toile félin. Parce que bah là, du coup. Je compte vite la finir quand même. Hein, pour un carré, je me dis ça va, ça va faire. Et ces deux couleurs maxi qui sont un grand. Faire des blocs de couleurs là, ça me va. Et après là-bas, c'est les petits confitiers, ça va aller vite. Voilà. Sur le nuage, je me suis amusée à rajouter des petits diamants habillés en carré, en blanc. Donc du coup, voilà, je me suis un peu amusée à lui mettre de la brillance. À ma petite gorgeuse. Je devais pas trop la voir. Ouais, bah non, j'ai tout mis sur elle. Mais voilà le petit visage. Elle est trop mignonne. Trouvez-moi une gorgeuse pas mignonne. Kiku, on en parle. On fait que ça. On s'envoie des images. On craque. Enfin, là, j'ai craqué pour Alison. Je sais pas si vous avez suivi ce groupe. J'ai en fait. Ça s'est retourné sur elle, la pauvre. En fait, Kiku, elle m'envoie un. On parle de gorgeous comme ça et tout. Et puis à un moment, elle me dit, tiens, regarde, j'ai trouvé cette boutique sur AliExpress, ça vend des nouvelles toiles de gorgeous. Je fais, ah, vas-y, elle va me faire craquer. Et du coup, je regarde comme ça et. Je vois une petite toile, petite gorgeous avec un petit escargot. Et là. Si à Kiku, il me faut l'adresse d'Alison. Elle me dit pourquoi. Mon Dieu, il me faut l'adresse. Et elle me dit ah ouais. Et du coup, elle n'avait pas l'adresse tout de suite. Du coup, j'ai dit bon, bah, je vais aller voir Alison. Mais moutarde. Mais pourquoi tu veux mon adresse? Mais parce que je vais t'envoyer une toile. Mais je vais t'envoyer quelque chose. Oui, mais quoi? Et je lui dis une toile. Elle me dit mais quoi comme toile? Je lui dis pas une gorgeous. Elle me dit non, mais c'est fini le swap avec le tableau. Je fais oui, mais là, il y a. C'est Cécile, elle m'a montré une boutique et il y avait une gorgeous avec quelque chose qui me fait penser à toi. Enfin, la gorgeous, elle est mignonne, mais après, il y a la connerie, quoi, à côté. Et elle me dit, mais. Elle me dit, bon, je. Elle me dit, tu crois que là, tu me donnes envie? Je lui fais, bah, écoute, il y a une gorgeous, tu devrais craquer. Elle me dit, bon, d'accord. Et du coup, elle m'envoie l'adresse. Parce qu'en fait, quand on s'envoie les swaps, c'est sur Mondial Relay. Donc, du coup, et vu que j'ai pas lui envoyé. Je voulais pas lui envoyer avec mon relais. Là, sachant que voilà, c'était une toile, donc je préférais l'envoyer directement chez elle. Et du coup, je suis envoyée. Et voilà. Et du coup, elle a posté. Après, elle est mignonne, hein, mais bon, c'est surtout pour l'escargot. Et après, comme je disais à Alicine, putain, c'est dommage que. Excusez-moi du mot. C'est vrai qu'on est sur YouTube quand même, hein. Ah, oh, les cornasses. Et je disais, c'est dommage pour Kate aussi, Miss Caporal, là. Putain, qui a pas une. Qui a. Ah! Qui a pas une toile version caporal militaire avec du 310 là.
Et celle-là, dès que je la trouve, franchement, Kate, elle va y passer aussi. Mais bon. Ou un paresseux, ça dépend. Parce que dans les derniers temps, c'était l'escargot et elle, c'était le paresseux. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Et bah, c'est tout. Sur le groupe Colo, on a lancé. J'ai lancé. Finalement, j'ai lancé des défis. Il y en a un qui vous plaît bien. Donc, on verra si on continue la semaine prochaine. Enfin, cette semaine, jeudi. Voilà. D'ailleurs, il faut que je me mette au mien. Ce serait pas mal. Je ferai peut-être demain. Ah non, demain, c'est encore activité de GP avec les enfants. Ben, jeudi. Hein, jeudi pour jeudi, hein, j'ai envie de vous dire. Et puis, le temps que. Après, on a le temps. Hein, c'est pas. Voilà. Hein. J'aime pas. J'aime bien faire des défis, mais j'aime pas mettre la pression parce que j'aime pas la pression. Voilà. Là, c'est comme là, les binômes après. Les binômes comme ça, s'inscrire au mois, je pense que je vais arrêter. C'est. Et puis, en fait, le problème, c'est que. Ce qui manque dans ce genre de choses maintenant, c'est qu'avant, ben. Enfin, quand on faisait des coloriages en commun, bon, on choisissait le dessin et tout, et après, on papotait, quoi. Enfin, on échangeait le en cours. Et là, il n'y a pas d'échange. Donc, du coup, c'est vrai que ça me donne pas. C'est comme si je le faisais toute seule, en fait. Donc, c'est vrai que j'oublie que c'est un coloriage en commun, en fait, à la fin. Donc, c'est un peu dommage que ça, c'est un peu parti. Avant, c'était vraiment. Enfin, on échangeait, on partageait nos en cours. On se disait, tiens, je veux faire comme ci, comme ça. On s'échangeait quelques techniques. Et c'est pour moi, c'était ça le coloriage en commun. Maintenant, c'est vrai que bah, c'est. On choisit et en fait on se montre en avant-première quoi. Mais bon, après c'est vrai que bon, voilà. Bon, il y a la magie parce que les gens le font différemment. Mais après, c'est pas pareil, c'est pas le même échange, quoi. C'est pour ça que c'est un peu dommage, je trouve. Et c'est pour ça que ça motive un peu moins de les faire, en fait. Mais bon. Je vais quand même les faire parce que j'ai fait l'engagement. Après, bah, moi, comme je vous ai dit, je fais selon mes envies. Surtout qu'en ce moment, j'ai pas mal de problèmes familiales, personnels. Donc, je ne veux pas me foutre une pression sur mes loisirs à moi, hein, sur mes passions. Hein. Voilà, c'est pas contre les gens. Hein. Après, peut-être que je vais leur dire poster et moi, je ferai un peu plus tard. Je veux pas non plus les empêcher de poster leur colo. Mais c'est vrai que moi, en ce moment, avec ce qui se passe personnellement, j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'en ai. J'ai pas envie de me foutre cette pression pour l'instant. Depuis août, c'est comme ça se passe comme ça. Et je m'en sors mieux. Je prends plaisir à refaire des vidéos. Depuis que j'ai recommencé la chaîne aussi, il faut le dire. D'ailleurs, je sais pas si vous avez aperçu, mais je m'amuse un peu avec les petits montages, les autocollants. Voilà, je m'amuse vraiment à tout refaire. En faisant ce que j'ai envie de vous partager à tel moment. Voilà. Après, peut-être que je vous dis, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis, bah, vous voyez bien, hein, je suis une contradictoire, je vais faire autre chose. Mais c'est pas grave. C'est le principal. Voilà. Sinon, j'ai One Day Saving qui m'ont contacté pour me renvoyer des toiles. En partenariat. Du coup, bah, vous me les envoyez. Ils m'ont renvoyé les liens avec un nouveau code promo du coup pour vous. Là, j'ai commandé que des toiles. Par contre, j'ai pas commandé de trucs spéciaux. Voilà, on va faire déjà ce qu'on a avec les enfants. J'avais commencé réponse, faut que je la finisse aussi. Je pense que je la finirai demain pendant que les enfants font. Leurs stickers, on va faire un sticker par mercredi, à chaque mercredi, voilà. Je pense que ça sera pas mal parce que bah, ils sont petits encore, donc faire tout 3-4 stickers à la suite, je pense qu'à un moment ils vont perdre patience et c'est pas le but. Ils sont quand même tout petits, c'est des petits nounours. Il faut que j'appelle pour faire le baby-gym à Esteban et Cassandra. Ce serait pas mal. Depuis hier je le dis et je le fais pas. Donc voilà, là je vais aller me faire mon café, je vais me préparer pour faire la vidéo. Du coup, je sais pas parce que je voulais pas l'enlever ma gorgeous, mais bon, je vais peut-être l'enlever le temps de faire la vidéo. Voilà, là j'ai bien avancé, vous voyez. On ne manque pas beaucoup encore pour cette couleur.
Bah, je finirai tout à après, hein, après la vidéo de toute façon. Et je finirai de regarder, me mettre à jour sur Stéphie. Après, il faut que je me mette à jour sur Cécile. Makiku. Les passions de Thiès aussi, bien évidemment. Je suis pas encore. Je suis en retard. Bon, en fait, je suis en retard sur pas mal de vidéos. Voilà. Même Lorraine. D'habitude, je suis pas. Lorraine. Je réserve le week-end à son vlog. Mais bah là, non, je suis en retard de 3 vlogs. Voilà. Donc j'aime bien les filles me disent, ah, t'as vu, non. Elle me spoil des vlogs. Je sais pas si on peut dire spoil. Mais bon. Voilà. Quoi dire de plus? Eh ben c'est tout, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Là je suis en train de faire avec vous. On est en vlog donc c'est familial, hein. Donc je suis en train de ranger mon bureau un petit peu. Je prépare la vidéo. Préparer un petit peu. Après je vais aller faire mon café. Et puis voilà. D'ailleurs, je me suis acheté des KitKat Balls. Tiens, ce soir, je vais essayer de faire le salon. Je sais pas ce qu'elles me disent les filles en ce moment, qu'apparemment ça marche pas, il y a des bugs. J'y vais tenter. Et je vais la chair. Mais comment je vais me venger avec ma petite chef? Ah là là. Si elle passe par là, elle va me faire le commentaire. Ah bah non, on aura fait la soirée vlog. Salon, c'est bon. Elle m'aura pardonné d'ici là. D'ici une semaine, je vais la chercher. Oui, parce qu'avec. En fait, avec Jess, on aime bien les Kit Kat Balls, vous savez, les petits chocolats là. Et du coup, on se cherche dessus. Voilà. Bon, moi, j'ai pas testé. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux parfums. Hier, j'ai vu au magasin, il y avait les nouveaux parfums et tout, mais ça m'a pas trop. Je sais pas, ça m'a pas trop tenté. Je me suis dit, je vais rester dans l'original. Voilà. Et voilà. Donc, du coup. J'avais arrêté un peu d'en manger parce qu'à un moment j'avais mal aux dents. Et en plus, je réalise que ma première injection du Covid, enfin la première vaccination, ça m'a fait pareil. Ça m'a couché au niveau des dents. Et deuxième injection, pareil, ça m'a tué. Et ça m'a. Voilà. Bon. Allez, moi je vais aller faire mon café. En fait, j'ai tellement envie de la finir, cette toile aussi. Ça fait plus d'un mois qu'elle traîne et je me dis, c'est bon, c'est fini l'été. Rentre chez toi, avec ton été, ta petite carte juste été. Bon, et passe à la saison septembre, rentrée scolaire. Ouais. Tout à fait. De toute façon, après la prochaine grande jeu, ça sera pas avant octobre. Donc bon. Profite. Après, bah oui, parce que je vous ai dit, je finissais mes toiles. J'allais avancer à la plupart de mes toiles. Toutes mes toiles, je vais vraiment les avancer ce mois-ci. Plus le défi fait lin. Alors j'ai pris une grande toile parce que j'avais pas de petite toile fait lin. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Mais bon, après moi, je participe juste pour m'adorer. Juste pour lui faire plaisir. Je participe même pas sur le principe du concours. Donc, bon, je réponds, hein, mais parce que je teste je teste mes connaissances aussi. Mais sinon, c'est vraiment participer pour le plaisir. Hein. Puis aller embêter. D'ailleurs, je ne vais pas embêter. Je vais aller embêter les postes. Tiens. Pendant que je fais mon café. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Coucou tout le monde, alors je vous reprends, on est mercredi après-midi. Je me suis un peu remise sur mon colo. J'essaie quand même de l'avancer, peut-être de le finir aujourd'hui, ça serait pas mal. Voilà, bon, j'ai annulé un peu les binômes parce que à la base c'est un trio, mais enfin, je leur ai dit que bah, vu les circonstances en ce moment que j'ai.
Du coup, voilà, qu'elles ne m'attendent pas et puis qu'elles postent leur colo. Mais je vais quand même le faire parce que bah, déjà, je l'avais commencé. Et voilà, j'aime pas faire ça. J'étais mal à l'aise de faire ça, mais. Et voilà, je me dis, je vais faire les choses selon le temps que j'ai parce que ça va être un peu difficile, un petit peu là, moralement. Je vais vous dire les choses en deux, trois mots. J'ai trois personnes de ma famille, dont ma petite mamie, que j'embrasse très fort, à l'hôpital. J'ai trois personnes dans ma famille à l'hôpital. C'est pas le Covid, hein. Des fois, j'aurais préféré, hein, je vous le dis, hein. Mais du coup, voilà. Donc, du coup, ça fout un petit peu un coup sur le moral. Mais c'est vrai que bah, là, je préfère le faire, faire mes colos que j'ai prévus en binôme, en trinôme. Mais sans me foutre de pression, les faire avec le temps. Je vais leur envoyer aux filles, il n'y a pas de problème. Je suis pas comme. Voilà, mais. Bah, tant pis, hein, bah, ça va. Voilà, on prend son temps et c'est mieux comme ça dans les moments où. Enfin, dans votre vie. Enfin, dans ma vie, pour moi, c'est mieux comme ça. Je pense que quand dans votre vie privée, ça va pas, autant s'enlever des pressions, des charges, et surtout quand c'est au niveau de notre passion. Après, j'étais pas bien, c'est la première fois que je le faisais, je crois que j'annulais. J'ai toujours été quand même quelqu'un de. Quand je dois faire des binômes et tout, essayer de tenir la cadence et tout, et là, oh, ça m'a fait bizarre, mais bon. Des fois, quand on peut vraiment, on se sent vraiment. Enfin, là, c'est pas que je peux pas, c'est que je me sens pas. Je sens pas faire ça, j'ai besoin de faire. Bah, comme là, je fais ce colo pour me vider la tête, pour me faire du bien, et pas forcément pour me foutre la pression en disant, faut qu'il soit fini. Attends, quoi. Et encore, je suis même encore, je crois qu'on est le 7 aujourd'hui, et il doit être fini pour demain. Donc. Je suis même pas encore en retard. Je suis à la limite. Mais je ne suis pas encore en retard. Et donc voilà. Et puis là, je l'avance, vous voyez. Je suis en train de faire l'herbe. Je vois la vie inverse sur ce colo. Voilà. Comme ça, je vous montre un petit peu comment je fais cette partie pelouse. Enfin, herbe. Alors, oui, vous allez me dire pourquoi tu fais au crayon. Bah, je sais pas. Je sais, à chaque fois je me dis non, tu vas pas faire ça au crayon, tu vas faire ça autrement. Et en fait, du moment où je me dis ça, j'ai déjà posé le crayon sur le coloriage. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que c'est long, mais en fait, j'aime trop le résultat au crayon qu'à l'aquarelle, les choses comme ça. Après, en même temps, c'est parce que je maîtrise pas trop encore tout ce matériel. Donc, forcément, je vais aller là où je maîtrise un peu. Il faut un peu, des fois, de temps en temps, que je sorte de mes sentiers battus. Mais bon. Là, je vais sortir la Pâques aussi. Il y a la Pâques du Fear Challenge qui m'appelle, que j'ai plus envie d'aller là-dedans que faire les trios qu'on avait choisis. Mais bon. Je vais quand même les faire à mon rythme. Peut-être entre un truc d'horreur. Et encore, vu que j'aime l'horreur, ça va pas me dire. Je vais pas me dire, je vais faire une pause. Je ferai peut-être une pause après, je sais pas, on verra. Peut-être après le visage fantomatique qui me stresse un peu de comment l'aborder, mais bon, on verra. On n'en est pas là, hein. Vous voyez, moi je mélange beaucoup les crayons, les nuances, voilà, tout en respectant du clair au plus foncé. Ça m'amuse. De toute façon, quand vous allez voir l'herbe n'est pas tout. Enfin, c'est pas tout pareil. Hein. Après, là, j'ai pas encore fait le pipi. Je voulais faire les petits traits, mais je sais pas si je vais faire. Faut que je retrouve mes artistraux, mes machins. Comme ça. Pour faire l'effet un petit peu pelouse. J'ai fait mon Winnie. Je vais me faire mon petit gros un peu après. Là, je vois que je suis à la fin de la pelouse. J'ai juste fait ça parce que je voulais faire une pause herbe. J'ai fait le ciel pareil. Je voulais faire la pause. Mais bon, là, j'en suis à la fin, donc je ferai le reste à la fin. Donc voilà pour aujourd'hui, cet après-midi. Du coup, ben, je vous montrerai peut-être une fois fini, ou on sera sur un autre colo. Voilà, donc ben, du coup, c'est un vlog mixé cette fois-ci, parce que ben vous aurez vu le DP et le colo. Hier soir, j'ai un peu dépé avec les filles sur Messenger, du coup.
Parce que ben c'est un peu con de dire, mais les salons ne marchent pas en ce moment sur les groupes. Du coup, on s'est fait comme ça, on a fait un messenger entre admins, on va dire, pour les manquer dorés. Et puis voilà, du coup. De toute façon, je pense qu'on avait besoin de se retrouver un peu entre copines et papoter entre nous. Parce que ben, voilà, on est tous un peu dans une phase pas très positive. Et de temps en temps, ben, voilà, ça fait du bien. Quoi dire de plus? Je pense lancer le live soit ce soir, soit demain. On va voir. On va voir. Parce que le mercredi, c'est un petit peu une journée assez fatigante quand vous avez les deux enfants à la maison. Bon, là, ils font la sieste. Et moi, je me dis des fois, profitez-en pour te reposer, pour avoir l'énergie pour finir la journée avec eux. Mais la vie en vert m'appelle. Donc voilà, je sais pas, hein, je vous dis ça. Et peut-être qu'après, je vais poser les crayons. Je vais aller me poser un petit peu. Hein. Je pense que je vais aller me poser un petit peu. À un moment, je vais être raisonnable vis-à-vis de mes enfants. Déjà que dans ma tête ça va pas trop, je suis pas très patiente. Donc du coup on va peut-être aller se poser, ça fait toujours du bien de faire une pause. Et puis voilà. Donc bah, je vous reprends après. Hein. Vous voyez, moi je fais l'herbe comme ça, je mets mes ombres en zigzag. Je ne fais pas quelque chose de très. Comment je pourrais vous dire ça? Je fais pas quelque chose de régulier, c'est que je les place irrégulièrement mes ombres parce que eh ben, l'herbe c'est pas quelque chose de très voilà. Après là il n'y a pas de source, enfin si j'ai fait une petite source de lumière en haut le ciel, mais pas plus que ça. Et pour jouer avec les ombres et les lumières de l'effet de l'herbe, voilà. Je sais pas si l'explication est assez claire pour moi, non, pour vous peut-être. Un petit peu d'humour, ça fait du bien. Même avec mes problèmes, j'arrive à mettre de l'humour. C'est cool, hein. Vous avez une licornasse qui est au top quand même, hein. Donc voilà. Après, je rentre pas dans mes détails non plus. Hein. Je ne vous fais pas des vidéos pour vous raconter mes problèmes. Hein. Moi, en général, quand je fais une vidéo, c'est pour me changer les idées, vous changer les idées, rigoler, sourire. Et voilà, bonne humeur. Même si ça va pas. On fait comme. Voilà. Donc, bon. Mais après, ça va aller. Hein. C'est juste. Ben voilà. Vous savez, dans la vie, des fois, on a une série comme ça de problèmes, de moments, de choses. Donc, voilà. Ça arrive. Hein. On a tous. Ça arrive. On a tous ce genre de petites périodes. Mais bon. Voilà. Dire de plus, et eh ben c'est tout. Écoutez, je suis en train de finir. Vous voyez, je finis l'herbe avec vous. Comment ça fait du bien de dire que j'ai bientôt fini ça. Et encore après, je vais aller retoucher un petit peu, faire quelque chose de plus joli. Voilà, faire une petite finition au niveau de l'herbe. Puis je sais pas si je vais mettre de l'art-titre ou pas. Du coup, voilà. Voilà, je vous fais voilà un petit. Je vous montre un petit peu comment je fais cette façon de faire l'herbe. Bon, après, il y a plein d'autres façons. Je sais que sur avant, je faisais la technique du coloriage spécial effect. Maintenant, je la fais plus trop. Je l'avais fait quoi que je l'ai fait une fois ou deux fois, je crois, celle-là. Et puis voilà. Donc, bah voilà, hein, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus aujourd'hui? Là, on va peut-être aller un peu au parc cet après-midi. Je vais aller un peu les faire jouer. Et puis voilà. Ça va nous manquer parce que avant, on avait Maya, on avait notre petite. Les petits chiens pour venir avec nous. Et bah là, on n'a pas de chien. On va y aller à trois en amoureux comme avant. Voilà. Et ben voilà. C'est parfait tout ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, vous pouvez pas me répondre. Hein. C'est chiant, hein, pas pouvoir répondre en commentaire. Hein. Et ben voilà. Là, je me suis un petit peu loupée. Voilà. Je pense après faire des effets. Et ben voilà, fini l'herbe. Alléluia. Ah, vous voyez pas? Voilà. Alléluia. Là, je vais y faire en miel.
Et je rajouterai l'herbe, le verre dessus un peu après. Parce que là, le miel, il a coulé. Donc, bah voilà. Je vais aller finir tout ça. Allez, à plus tard. Hello, hello tout le monde. Alors aujourd'hui, on est jeudi matin. Je vous reprends vite fait 5 minutes avant d'aller chercher ma fille à l'école. Il est 11h06, donc j'ai pas longtemps, longtemps. C'est pour vous dire, ça y est, je viens de faire la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge de Morgane. Je vous la mettrai en ligne peut-être sûrement la semaine prochaine. Et du coup, voilà, il manquera juste le binôme. Donc du coup, c'est pour ça, me laisse une semaine pour me trouver une petite binôme. Mais je pense que je vais demander aux copines. Et donc voilà. Là, j'ai commencé un peu le Fear Challenge de Zazufia. Donc je suis sur le Beauty of Horror. Je vous reprendrai cet après-midi dessus pour vous montrer. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ce matin, j'ai un peu rangé mon bureau, encore un peu. Ce matin, j'ai noté les questions du quiz Zazufia le 9 pour répondre aux questions. Voilà. Donc du coup, je vous la ferai cet après-midi. Je vous la ferai sortir. Je la sortirai demain, peut-être, je pense. Donc voilà. Quoi d'autre à vous dire? Et bah, ça fait une semaine que le petit défi du groupe a commencé. J'attends que mademoiselle Speedy me sorte le numéro de la page pour cette semaine. Voilà. Bon, je suis pressée parce que je veux savoir ce que je vais colorier. Voilà. Bon, ce défi a l'air de vous plaire. Je vois qu'il y en a qui participent, c'est bien. Donc voilà, je vous mettrai le groupe du colo, le groupe coloriage en barre d'infos. Et la semaine prochaine, parce que j'ai demandé à Zazou si je pouvais reprendre un petit peu, réanimer le groupe Annaline, elle m'a dit oui. Donc du coup, bah, je suis en train de réfléchir à ce que je vais vous faire faire. À ce que je vais faire sur ce, refaire un peu sur ce groupe. Déjà, il faut que je la déboude Annaline. Donc du coup, je pense qu'après, je vais aller me faire du Annaline. Et puis voilà. Sinon, bah c'est tout. Là, il fait pas beau. On en a marre. L'automne arrive. Bon, allez, moi je vous laisse, je vais aller chercher ma fille. Allez, à tout à l'heure. Et re-coucou, je vous reprends. Il est midi 24. Je fais une petite pause colo. Là, je viens de faire un peu le fond. J'ai commencé à mettre le fond. Je viens de finir les cheveux, le sang. On va encore en rajouter. Et je me suis dit, je vais tester avec vous la peau verte. Enfin, la peau un peu zombie. Je pense qu'on va la faire comme ça, un petit verre très. Pas un verre flash, comment on appelle ces verres? Des verres olives, les verres comme ça un peu. Donc voilà, verre Kelly, voilà. Un peu dans cette teinte-là. Et je pense qu'on va le faire comme ça en vlog tout à l'heure quand le petit va dormir, comme ça on sera tranquille. Enfin, plutôt moi, je serai tranquille pour vous le faire. Et puis je vous le ferai en petit tuto et je le finirai en speed. Voilà, je ne fais pas tuto une vidéo à part parce que là ça va être vraiment un test. Et si je trouve que c'est réussi, bah vous trouvez que c'est réussi, vous me direz en commentaire. Et puis voilà, je vous ferai un vrai tuto. Mais là, non, pour l'instant, ce sera vraiment un test. Voilà. Et comme ça, après, bah, il sera fini, il ne manquera plus que la glace. J'ai un peu une idée de ce que je veux faire. Il faut que ça, quand même, ça ressorte un peu l'effet un peu pourri comme petit Zazou. Donc voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, bah, du coup, je vous reprends cet après-midi vite fait. J'ai pas beaucoup colorié. J'ai commencé juste la glace. Et du coup, j'ai pas fait le visage. Je le ferai après. Mais vous inquiétez pas, on va le faire ensemble. C'est juste que je me suis reposée. J'étais pas mal fatiguée. Donc, bah voilà, je vous reprends un peu plus tard. Allez, bisous. Hey, recoucou. Alors, ce soir, il n'y a pas de colo, c'est un peu de dépit. J'avais envie de me mettre un peu sur ma Dragon Attack. Enfin, un peu, même beaucoup, j'aimerais bien l'avancer quand même. C'est une toile assez longue, donc il faudrait peut-être que je l'avance. Enfin, faire au moins finir ce petit carré, ça fait un moment qu'il traîne. Donc, voilà. Tant que je la voulais, ce serait bien de la faire. Parce qu'en fait,
Là, j'étais en train de faire le défi pour ma petite Dory. Mais le problème, c'est que les diamants, c'est tellement de mauvaise qualité que je me suis dit, vas-y. C'est vraiment la boutique Pikizou, je sais plus qui en avait parlé. Attendez, il y a un petit. Donc voilà, je vous reprends. Excusez-moi, j'ai Monsieur Esteban qui s'amuse en ce moment à grimper de son lit. Donc du coup, il se lève un peu comme il veut. Voilà. Attendez, je vous refixe le téléphone parce qu'il est en train de bouger. Voilà, parfait. Donc voilà. Donc je vous disais, ouais, j'ai envie de l'avancer un petit peu, une petite pause colo, je reprendrai demain. Et puis en plus, si je veux vous faire, je veux qu'on fasse le visage ensemble, c'est mieux parce que, eh ben, le soir, j'ai pas trop une bonne luminosité. J'ai la petite lampe LED, mais elle est pas, enfin, il faut que je la charge. Et, vu que je la charge mon téléphone et que c'est la même prise, voilà. Voilà. Donc je vous ferai ça demain, on fera ça demain, on a le temps, pas se presser non plus. En plus j'ai réalisé que bah, là j'ai pas mal colo, je suis déjà à 5 ou 6 colos. Donc voilà. Donc je peux avancer un petit peu ma DAC. Et comme je vous disais, bah, là, je sais plus qui avait recommandé cette boutique Béguizou. Après ça va pas être sa faute, hein. Peut-être qu'elle a eu de la chance, et moi j'ai pas eu de chance, mais franchement les diamants c'est un enfer. Du coup je pense que pour le défi félin, bon bah c'est pas grave, de toute façon j'étais à la bourre, donc autant être à la bourre, on va rester à la bourre, mais j'ai la toile action, donc voilà, je me tâte à la prendre, on verra, sinon bah tant pis, hein, mais non, franchement, elle est vraiment pas agréable à faire. Je vous ferai peut-être une petite demain, je sais pas, ou samedi, je sais pas, je verrai quand j'aurai un peu le temps, je vous montrerai. Pour vraiment vous montrer la qualité. Même ça me complexe, des fois j'ai l'impression que c'est ma faute, je sais pas quoi, je sais pas faire les. On dirait que je sais pas poser droit, c'est. Mais bon. Tant pis, hein. Voilà. Du coup là je me suis mis sur ma DAC parce que au moins la DAC, je sais que je vais apprécier mon moment de dépit, que j'ai pas de questions à me poser. Bon, j'ai la Ever Moment aussi à faire pour le défi créature fantastique. Donc bon. Mais ce soir j'avais envie de me faire une Dragon Attack. Voilà. Donc je l'avance tranquillement. Après c'est pas, elle est pas très enfin, pour l'accrocher par la suite, c'est pas précis. Je ne peux pas l'accrocher tout de suite. Donc ça va. J'ai un peu le temps de la. J'ai le temps de la faire, mais quand même. J'ai vraiment envie de l'avancer. Et puis de me prendre deux boîtes de rangement. Et en fait, les nouveaux boîtes de. Ces systèmes de boîtes de rangement. Enfin, je les adore. Franchement, personnellement, j'adore. Enfin, je préfère même celle-là que. Je commence à préférer ces petites boîtes de rangement qu'aux valisettes. Voilà. Donc bon. Et puis bon. Peut-être que la semaine prochaine, j'essaierai. Non. Je vais arrêter de me prévoir des choses parce qu'en fait, je me contredis. Je me contredis. Je suis toujours en train de me contredire. Ça sert à rien. On va faire des choses au feeling de temps en temps. Ça peut être pas mal parce que je crois que je suis un peu plus comme ça que. Je suis. À m'organiser dans ma petite tête. Enfin, si je suis un peu organisée, je sais ce que je veux faire, mais bon, de temps en temps, ben, je force pas quand je vois que j'ai vraiment pas envie. Voilà. En plus, je reprends le colo, donc je pense que je reprends un bon rythme. Alors, si c'est pour me forcer et après me reprendre une panne de 1 an, ça ira. Hein, je me dis, soit t'as pas envie de colo, tu vas pas colo. Voilà. Après, je pense que je vais faire un. On fera le live à partir de lundi, je pense. Donc voilà. À côté, je ferai le colo d'Analine. Parce que bah, du coup, j'ai trouvé un binôme. J'ai trouvé un petit binôme. Donc du coup, voilà. Je pense que ça marchera pour le défi de Morgane. Je lui demanderai si elle veut bien. Et puis voilà. Hein. Si vous voulez écouter. Ouais. Non, je suis en train de faire un queue au stylet. Oh. Est-ce que je rentrerai dans la team stylée?
J'aime trop la pince. J'aime trop la pince. Mais bon. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous faire. Je voulais faire un petit message parce qu'en ce moment, je vois que. En fait, ces histoires, elles durent. En fait, c'est des histoires depuis mi-août parce que je me rappelle bien de la date. C'était autour de l'anniversaire de ma tante, le 19 août. C'est grave quand même. Hein. C'est grave ce qui se passe dans German Painting. Mais ça, enfin, je sais pas, mais après, moi, je suis pas dans les histoires, les choses comme ça. Enfin, même si j'ai failli y être sans vouloir, hein. C'est bien que de ça que j'ai tout recommencé. J'avais le 19 août, j'avais tout arrêté. Arrêté la chaîne, supprimé l'ancienne. Tout supprimé. Du coup, franchement, ça m'avait un peu. Enfin, ça m'avait pas forcément impacté personnellement. Ça m'avait impacté moralement. Parce que quand je voyais. À ce moment-là, je disais non, c'est pas le jour, laissez-moi tranquille. C'était un jour. Bah, c'était l'anniversaire de ma tante qui est décédée. C'est une personne qui, voilà, qui me suit très cher à mon cœur, très cher. Ça fait depuis 2013 qu'elle est décédée. Voilà. J'en parle maintenant parce que je pouvais pas en parler un petit peu avant parce que voilà. Et même à ce jour, c'est un peu dur par rapport à ce que je vis dans mes problèmes familiales. Hein. Ça me ramène un peu. En ce moment, ça me ramène un peu à ça. Et franchement, je me suis dit, mais attendez, mais elles abusent, quoi. C'est pas un jour où j'ai envie d'avoir des histoires. Puis... Bon, bah voilà, ça fait que ça a fait. Hein. Ça m'a. J'ai eu un petit coup de fleur de peau, un coup de pelouse, et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça prend encore de l'ampleur et les gens prennent un frein au niveau de poster des vidéos parce qu'on a peur de se taper des insultes, des critiques. Et franchement, mais je trouve ça. Mais... Non, mais il faut y arrêter. Il faut arrêter cette guerre. Alors, oui, c'est même pas la faute d'Auraloa parce que Auraloa, après, bah, forcément. Il y en a qui vont aimer, d'autres qui vont détester. Certes, les ambassadrices, elles vous ont vendu. Enfin, elles n'ont pas tant vendu de. Enfin, elles n'ont pas autant mis d'étoiles dans les yeux. Hein, parce que personnellement, fallait attendre. Après, il y a pas mal de gens que je connais, hein, même les copines hein, du DP, hein, j'en ai vu qui ont craqué avant que une des ambassadrices reçoive. Après ça, sur ça, je trouve que ça a été mal fait. Je pense que voilà, ça aurait été mieux que ce soit les ambassadrices qui reçoivent en premier pour donner un avis et après ouvrir à la commande, quoi. Bon, après, il y a des gens qui ont reçu des lots qui ont reçu des mauvais lots. Il y en a qui sont reçus très bien, il y en a qui sont contentes. Et celles qui se sont contentes se font insulter. Mais je trouve ça mais tellement. Non, mais faut y arriver. Mais arrêtez, quoi. Enfin, alors, ok. Encore, vous voulez les insulter par rapport vis-à-vis du German Painting au Raloa. Et encore, je trouve ça tellement enfantin. J'ai l'impression qu'on rentre dans une cour de récréation. Par contre, les menaces de mort et les trucs pour les. Enfin, toucher les enfants, mais c'est mais non, non, c'est pas possible. Moi, je suis maman. Moi, je suis maman. Jamais. Jamais. Jamais j'oserais toucher les gens sur ça, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, mes enfants, c'est ma chair, c'est mon sang. Les gens qui font ça, soit ils ont pas d'enfants, donc ils savent pas ce que c'est d'aimer son enfant. Soit ils ont des enfants, mais ils les aiment pas, finalement. Parce qu'au final, eux, si on leur dit ça, ça les atteindrait même pas sur leur route de parents. Hein. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Franchement. Alors après, les histoires de German Painting, j'ai envie de vous dire, c'est pas les miennes. Donc, j'ai pas envie de m'en mêler. J'ai pas envie de. Voilà. Moi, au Raloa, j'ai fait mon unboxing. J'ai été contente. Bon, je suis pas retournée sur la toile, mais bon, j'en ai pas mal en cours, donc j'ai envie de vous dire. Et puis, c'est pas encore pour l'instant, c'est pas une priorité à la faire. Voilà, hein. Puis, c'est du rond, donc c'est vrai que bon, après, elle ira très vite, hein. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas une de mes priorités. Mais je pense que je vais quand même, à un moment ou un autre, je vais y aller, hein. C'est juste que, bah, il faut que là, je vous fasse la revue de la Gorgeous, et puis, moi, après, j'aurai une petite mallette pour mettre les diamants. Parce que moi, il est sachet zip. Même pas, je teste. Je me connais. Je le faisais avant. À un moment, je faisais ça. Je faisais ma feignante et tout.
parce que moi, les préparations des diamants, c'est pas quelque chose que j'adore. Hein. Donc voilà. Et je faisais ça au sachet zip, mais en fait, je perdais plus de diamants que ça restait dans le sachet. Donc, du coup, c'est pour ça que j'attends pour préparer les diamants. Et puis après, une fois le diamant préparé, voilà. Hein. Là, elle est accrochée, elle est bien. Je pense que la dragon attaque va la rejoindre aussi. Je vais l'accrocher comme ça, les grandes comme ça. Je vais les accrocher. Mais non, mais voilà, faut que ça s'arrête. Je vois, j'ai vu la vidéo de Sarah. Là, je vois sur Instagram Mimi, pareil, qui arrête parce que ben, elle va être loin de ses histoires, par les insultes, voilà. Ben, ça fatigue, moralement, les gens, ils sont, enfin, c'est du diamond painting, hein, c'est du loisir créatif. Donc, je sais pas, je comprends pas. Je comprends qu'on peut être pas content parce qu'on reçoit quelque chose dans un sale état, mais je ne comprends pas les insultes et une ampleur comme ça d'aller toucher. Les gens personnellement sur leur vie personnelle et en plus les menaces de mort, mais vous savez pas que je trouve ça mais tellement c'est cruel. Alors même si vous aimez pas ces personnes qui vous ces personnes, mais arrêtez de les regarder déjà, ça peut être pas mal. Et puis voilà, arrêtez de vous intéresser à ce qu'elles font. Il y a d'autres youtubeuses hein, dans le diamond painting, je pense qu'il y en a pas mal maintenant, il y en a beaucoup. Donc, je pense qu'il y en a pour tous les genres, pour tous les goûts. Donc, voilà, enfin, je sais pas, faut que ça s'arrête, en fait. Faut que ça s'arrête, c'est pas possible. Donc, voilà. Moi, c'est un petit... Enfin, je trouve que ça devient... Et puis, ça prend de... Il devrait même pas avoir des clans comme ça dans le... Chimen Painting, c'est quand même un loisir, c'est une passion qui réunit tout le monde, en fait, parce qu'on a la même passion. C'est ça, je comprends pas en fait. Après, c'est pas la faute d'Oraloa. Après, bon, oui, bon, ils ont fait des petites erreurs, mais après, c'est les gens et la mentalité, la maturité. J'ai envie de vous dire, en moment, c'est une maturité, c'est une certaine maturité à avoir, à pas s'en prendre aux gens parce qu'il y en a un qui va pas aimer et l'autre qui va aimer. Nous, c'est comme nous entre avec les filles. Il y en a une, elle va aimer une boutique, d'autres, elle va l'aimer un peu moins, et ben, on va pas s'insulter. On va pas s'insulter, enfin, c'est pas possible. On respecte nos avis. Et puis quand on voit qu'on n'arrive pas à se trouver en. Enfin, Et en plus, je pense que si on n'est pas d'accord sur ça, on changerait de sujet en fait. On n'en parlerait pas plus que ça en fait. On chercherait pas le fight. Voilà. Moi, je parle surtout vis-à-vis. Avec ma petite Dory. Des fois, avec ma petite Dory, on n'est pas d'accord sur certaines choses. Et ben après, à un moment, on va changer de sujet. Mais c'est pas pour autant qu'on va les insulter. Hein. Je me vois pas insulter ma petite Dory parce qu'elle aime quelque chose et que moi j'aime pas. Ou Jess aussi, un chef. Hein. Voilà. C'est comme chef. Hein. Moi j'aime les Kit Kat Balls. Un jour elle me dit je quitte Kit Kat pour les Malteser. Bah, je vais pas aller l'insulter. Ah ben. Voilà. C'est bien ses goûts. Enfin, je sais pas, je comprends pas. On est quand même libre d'aimer ce qu'on veut. Il y en a, elles aiment bien Diamond Art Club. Et là, je vois qu'il y en a, elles commencent à. Avoir des mauvaises surprises, donc je me dis, oh, ça y est, Dak qui passe dans la critique, et ben voilà, il y en a qui aiment Dak, d'autres non, et Vermomen, c'est pareil, hein. Je prends les bonnes boutiques, hein, mais il y en a qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer. Là, Diamond Painting, on entend parler maintenant Deutschland, pareil, pour l'instant, il y a du positif, mais je suis sûr qu'il y a du négatif qui vont bientôt arriver, qu'il y en a, il y en a qui n'ont pas de la chance, il y en a, c'est pas de chance à la livraison, donc j'ai envie de vous dire, oui, voilà. Et comme Sarah disait sur sa petite vidéo un peu coup de gueule, quand il y a un avis négatif, il y a je ne sais combien de commentaires, mais quand il y a du positif, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde sur le balcon. Et c'est ça que je trouve ça. C'est vrai que sur ça, je la rejoins un petit peu sur ça, par contre. C'est vrai. Après, voilà. Moi, Diamond Art Club, personnellement, j'adore. Voilà, je suis pas déçue. Si c'est la troisième toile. Ouais. Que j'ai. J'en ai une qui arrive bientôt. Celle-là, je la veux. Et le mois prochain, c'est sûr, j'achète les boîtes de rangement. Voilà, j'aurai deux DAC à mes. Même Pokora est en train de. Oh, il faut que je la fasse, moi, Pokora aussi. Il faut que je fasse l'homme de ma vie, quand même. Ouh là là là.
T'as même plus tout. Donc voilà. Mais non, mais faut arrêter, 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 arrêter. Oh, faites des licornes, je sais pas moi, l'amour, pas la guerre. C'est bon, on en a assez, on en chie assez avec le Covid, les choses réelles, les problèmes en ce moment. Voilà, enfin. Quand vous allumez votre vidéo, vos réseaux sociaux pour le Diamond Painting, allez-y de bonne humeur en disant ah, je vais échanger avec. Avec des filles qui sont tant passionnées que moi. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Faut arrêter. C'est pas bien. Voilà. Il y en a certaines que j'aime et d'autres que j'aime pas trop. Et pourtant, ben voilà, je les laisse tranquilles. Je regarde pas ce qu'elles font. Voilà. Je regarde pas ce qu'elles font. Là, j'aime pas. Là, j'aime bien. Je vais regarder tranquille. Mais là, non. Je suis désolée. Et je vais pas aller les embêter, hein. Je suis discrète. Voilà. Donc voilà. Sinon, quoi dire de plus? Et ben voilà, hein, pour ce soir, je pense qu'on a assez papoté. Moi, je vais continuer mon petit carré. Je pense que je vais me regarder mon balance ton poste. J'aime bien jeudi soir, c'est la Nina. Voilà. Ah non, c'est pas celle-là, non, en plus, c'est l'autre. Ah non, 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 la gaffe en pleine vidéo. Allez, là, vous allez tous me sortir les smileys qui rigolent. Oh là 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 là. Non, ça, j'aime pas. En plus, lui, en plus, tac, ça colle tellement bien que pour décoller, des fois, c'est galère. Oh là là là. Hop. Ça, je l'avais collé. Hein. Ouais, c'était le petit plus. Hop. Oh, heureusement qu'il y a pas mal de. Voilà. Comment bien. J'avais posé pas mal de diamants. Dessus. Donc voilà. Voilà, voilà. Et puis en plus, je trouve que. Moi, je vois les filles, elles sont moins motivées à faire du DP. Là, on est moins motivées. On est toutes. Enfin, je pense que ça a foutu un coup et c'est dommage. Avant, on passait des bonnes soirées et tout, en salon, c'était notre réunion. Même là, les lives, ça me donne pas trop envie. Enfin, vraiment, je vous ai pas fait de live et tout, mais là. Enfin, bref. Si, j'ai dit aux filles, ça y est, ça va être la saison où je vais pouvoir ressortir la tenue licorne. Vous allez être contente. Voilà. Et ben, ce qu'on fait. Pas pour celle-là parce que bon, celle-là elle est grande. Allez, la toile Ever Moment. Je vous mets le vlog lundi. Donc à partir de lundi, vous me direz si vous me laissez aller un bon mois. On est quoi? On est le 7 ou le 8, je crois. Ouais, du 8 septembre au 8 octobre la finir. Si je la finis pas, eh ben je vous fais le live en licorne sur le groupe. Je ne danse pas. Je chanterai peut-être. Vous me direz une petite chanson. Pas la paillarde, je vous vois arriver. Je veux pas de paillarde. Après, Facebook, ils vont me dire. Et vous me. Enfin, ils font les coincés de la fesse. Donc, non, 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 non. Hein, une musique, je sais pas moi. Le Roi Lion. Voilà, un registre que j'aime bien. Y a pas de problème, je vous ferai des petits refrains, une petite soirée. Je sais pas, on verra. On verra ce que vous voulez me faire comme petite punition ce soir-là. On fera ça. Avec la tenue licorne. Voilà. Par contre, si je la finis. Moi, c'est le mois d'octobre, hein, c'est le mois d'Halloween. Non, voilà. On fera un petit truc sympa. Je vais essayer de vous reprendre un peu en live le soir et tout. Je vois que ça. Je suis sûre que ça vous manque la licorne à ce soir. Bon. Donc voilà, pour ça, on va se donner ce défi. Comme ça fera une licorne de fête. Donc voilà. Demain,
Je vais essayer de vous tourner la revue de la Gorgeous. Soit la revue de la Gorgeous, soit le tag de Zazou. On verra. On verra le temps que j'aime. Hein. J'ai mon papa qui doit, mes parents qui doivent venir parce qu'ils doivent me ramener ma pièce pour ma machine à laver. Je vous dis pas, ce week-end, les linges, la machine, elle va tourner. Oh, je ne peux plus laver le linge à la main. Là, ça fait... Oh, je vous jure, ça me fatigue. C'est pour ça qu'en ce moment, je me vernis pas les ongles. Ça sert à rien, ça gaspille. Ça sert à rien, je vais gaspiller mon vernis pour ça. Ah non. Ah, mais de toute façon, vous savez quoi, des fois, on a des périodes. Il y a tout qui s'enchaîne. Il n'y a pas quelque chose qui va vous dire... C'est fou, hein. Donc, voilà. La soirée, finition de mon petit carré. Enfin, peut-être, hein, je vous dis ça, mais je ne vais pas me coucher trop tard. Demain, c'est l'école. Et donc, les soirs d'école, j'évite de me coucher trop tard. Parce qu'après, le lendemain, il faut se lever. Il faut préparer les petits loups. Hein, les faire déjeuner, l'emmener à l'école, voilà, donc bon, ça prend du temps tout ça, hein. En plus demain il faut que j'aille faire 2-3 courses, un peu de ménage, voilà, la vie d'une maman sous l'eau, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Enfin, après il y en a, j'ai vu, même si elles ont un homme, elles sont un peu seule la journée, hein, donc voilà, vous comprenez, mais moi il n'y a pas de moment où je me dis il y en a, mais il y a le père ou autre qui va rentrer, il va me remplacer, hein. C'est toute seule, hein. Voilà, donc bon, en plus là j'ai les deux en ce moment, ils sont en train de tester, ils sont arrivés à la même période où ils testent les limites, les deux. Donc, je vous dis pas. Hein. Il y a de l'ambiance à la maison. C'est folle que fort. Voilà. J'y vais. Voilà. Mettre face. Je sais pas si vous voyez où. Mais moi, je veux. De toute façon, je suis sûr que vous êtes en train de faire du DP quand vous regardez le vlog. Donc, j'ai envie de vous dire. Je peux m'y mettre un minimum à l'aise. Donc, bah voilà. Écoutez, ce soir, on a un peu. On a pas mal papoté, hein. Hein, bon, là, il faudrait que je me mette à jour. Mais je ne serai pas au jour d'ici demain soir sur Lucifer. Donc, c'est pas grave, moi j'aime bien me faire. Attendre, j'ai pas envie d'être parti. Faire partie de ces gens qui ont regardé la saison et qui vont vite pleurer parce que c'est fini. Oh, si je peux traîner encore un petit peu. Hein, je vais en profiter. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est qu'à partir de lundi, on se lance un petit défi comme ça. Et puis voilà, écoutez, on va s'amuser un petit peu. Hein. On va reprendre, c'est la rentrée quand même. Hein. Donc, c'est la rentrée pour les lives aussi, c'est la rentrée un peu pour le groupe. Réanimer un peu le groupe. Donc voilà. Et oui. Après, Dory, franchement, elle vous fait des bonnes questions tous les jours. D'ailleurs, je n'ai même pas répondu aujourd'hui, je vais aller répondre d'ailleurs. Ouais, mais vu que je suis en pause de la toile là. Mais bon. On verra. On verra demain. De toute façon, c'est pas fini cette nuit. Donc voilà. Bah voilà, écoutez, aujourd'hui. Pour ce soir, c'est bon. On va arrêter de se répéter avec le et voilà. Hein. Là, j'ai bientôt fini une zone. Là, je vois que j'ai bientôt fini une zone. Je finis la couleur. Hein. Je suis bien contente. Cette toile, elle va être magnifique. Franchement, cette toile, elle est magnifique. J'ai vu qu'il y en avait une autre en plus. Voilà. Mais bon, en fait, le problème, c'est que je ne craque pas sur les tailles moyennes. Ah si, j'ai la soulmate maintenant, trop tard. J'ai celle-là et puis alors la nouvelle là, celle de Noël. Je vais, dès que je la reçois, je vais vite la préparer. Je vais aller motiver Sabrina, je vais la finir pour décembre. Sabrina!
ce motif. Voilà. Oui, je parle de la chaîne Les Passions de Sabrina, parce que je sais qu'elle veut la finir. Voilà, on se motivera ensemble, toutes les deux. On fera des soirées Christmas morning. Voilà. Et tant que je veux la faire. Donc voilà, j'avais regardé les vlogs de Lorraine, Diamant et Strass. J'étais en train de pleurer. Voilà. Comme celle-là. Hein. Ah. J'ai pas trop regardé. Hein. Celle-là, j'avais pas du tout regardé. Je voulais rien savoir. L'autre encore, ça allait. Je me dis, oh, ça va. Ça va, ça va, ça va. Mais la morning, non. Voilà. Bon, sur ce. Moi, je vous laisse et je vous souhaite une bonne nuit. Bon, bah non. Je vous souhaite un petit bon dépit et puis bah, je vous retrouve tout de suite. Hein. Allez, bisous. Bon, bah voilà. C'est presque 23h, du coup, je vais aller me coucher. Voilà, j'ai fini une mini-bande là. Et bah, je vais avancer petit à petit et je vais le couper le carré comme ça. Après, je vais faire, je sais pas si je fais comme ça ou en hauteur. Je vais voir. Voilà. Allez, moi je vais aller me coucher. À tout de suite. Bah, je vous reprends. On est vendredi. On est en fin d'après-midi. Je suis avec Esteban. Je suis en train de préparer une nouvelle toile Diamond Art Club là sous le Met. Je suis en train de faire les sections. Et je me suis dit, je vais vous prendre un petit peu parce que sinon je vous aurais pas pris de la journée. Parce que j'ai fait la vidéo revue. Et du coup, bah voilà. Et j'ai pas trop d'épée aujourd'hui. Ça m'arrive hein, des journées sans d'épée. Et du coup, je me suis dit, je prépare pour la semaine prochaine. Parce que la Vermomène, du coup, je la ferai pas. Je ferai pas le défi que je vous ai dit hier soir en un mois. Je ferai celle-là plutôt, là sous le mètre, à essayer de la finir en un mois. Voilà. Je vais vous reprendre tout de suite après. Je finis les sections. Je mets Esteban à la douche. Et ensuite, on va... pendant qu'il sera à la douche en train de faire joujou à me transformer ma salle de bain en piscine, le petit babane. On va je vais vous montrer la Peguizo. Voilà. Et je pense que je vais préparer la action. Donc du coup je vous ferai peut-être une vidéo la semaine prochaine, la préparation de l'action. Enfin après je sais. Oui, oui, il m'aide. Non, faut pas enlever, Esteban. Regarde, faut coller. Non, faut pas enlever. Esteban, non. Non. Tiens, voilà, allez, joue. Donc voilà, je sais pas si je vous la ferai en vidéo à part ou je la mettrai dans le vlog de la semaine prochaine parce que on en a vu pas mal des vidéos d'étoiles d'action, tout ça. Donc je sais pas, je vais voir comment je vais faire la semaine prochaine, je vais bidouiller. Je pense que je vais commencer un peu à noter ce que je veux vous faire faire en vidéo, les trucs et tout. J'ai pas colorié de la journée, donc c'est vrai que la vidéo de la peau verte, elle y est pas. Donc je tournerai la vidéo à part quand je reprendrai le colo un petit peu. Voilà. Je sais pas, je verrai quand c'est que je vous la ferai en vidéo. Peut-être pas forcément la semaine prochaine. Je vais pas vous faire une vidéo tous les jours. C'est pas possible. Enfin, déjà autant pour vous que pour moi, je ne vais pas vous saouler. Hein, à entendre mes conneries. Donc voilà. Oui, mais non, ça je veux pas. Remets, regarde. Allez, re-enroule. Tac, tac, tac. Voilà. Bon, on s'amuse avec les washi tape, monsieur Esteban. Hein. Donc voilà. J'ai pas encore encollé la gorge, je voulais le faire avec vous en vidéo. Sur le vlog aussi. J'ai pas mal de. Je vais faire pas mal de choses avec vous. Et je pense que ce week-end, je vais être en manque de temps. Du coup, voilà. Dimanche, il y a mes parents qui viennent parce que je suis en panne de machine à laver. Ils me ramènent la pièce que dimanche. Donc je sais pas comment on va tout bidouiller pour faire tout ce que j'ai envie de vous faire sur le vlog. Donc voilà, sinon ce sera reporté au vlog de la semaine prochaine. Hein. Écoutez, comme ça fera du contenu semaine par semaine. Hein. Donc voilà. Oui, j'ai en train de chercher. Dites-moi que je suis pas la seule à mettre 10 ans à chercher un embout.
Donc voilà, je suis en train de la préparer. J'ai en train de préparer mes sections tranquillement. Et puis je veux la démarrer un petit peu. Je sais pas, peut-être ce soir. Voilà. En plus, vu que j'ai envie de me mettre à jour sur Lucifer, parce qu'il y a la saison finale qui sort, elle est petite. Donc comme ça, pour aller dans le salon, c'est pratique. Attends, excuse-moi. Ah ouais, mais celle-là, ouais, mais non. Attends. Celle-là, on va quand même la diviser en deux. J'avais pas trop envie. Je suis là, hein. Je fais juste la ligne du bas. Donc, bah voilà, écoutez, j'aimerais bien. En fait, j'ai pris la soulmate parce que Dragon Attack, on va dire qu'elle est très grande. Et en fait, la soulmate, elle est d'une taille, on va dire, normale, raisonnable. Je vais vous la montrer entière après. Je finis juste mes petites zones. Et du coup, j'aimerais bien avoir un résultat final de DAC, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, bah, prends, vas-y, fais-toi la soulmate. Hein. Voilà. C'est la seule que j'ai en taille pas très grande. Donc, voilà. Après, oui, vous allez me dire, oui, mais sur YouTube, il y en a pas. Oui, mais je veux pas YouTube, je veux moi. Je veux moi en avoir fini une de Diamond Art Club. Voilà, tout simplement. Donc, regardez, je vais vous montrer. Esteban, lève. La soulmate, c'est celle-là. Elle n'a pas fait trop fureur. Hein. Celle-là, je l'ai vue, elle est toujours en stock. Elle a toujours été en stock et tout. Elle est sortie un peu après la Dragon Attack et un peu avant la taxe. Voilà. Je l'ai eue pile poil un peu avant. Et là, je vais remettre une zone parce que je sens que je ne serais pas capable de faire un gros carré. Je pense qu'on va la commencer de haut en bas. De toute façon, on ne la commencera pas avant la semaine prochaine. Ou ce soir, je sais pas, je vais voir ma motivation. Et voilà, les diamants, je les ai préparés. Et je suis trop contente parce que dedans, il y a du habit noir. Pourquoi il y a des grandes zones? Attendez, attendez, je me suis fait... j'ai cru que j'avais le temps ou quoi? Oh là là. Il y en a, je vais faire des plus petites zones. Maman. Et puis voilà, du coup, je vais aller mettre le petit Esteban à la douche et je vais vous montrer la Pigiso. Comme ça, je verrai avec vous si je suis motivée à la continuer ou pas. C'est dommage, hein, parce que l'image en soi, elle est magnifique. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, la soulmate, elle est prête. Voilà, Esteban. Donc, la soulmate, elle est prête. Je mets Esteban à la douche et on sort la Pegiso et je vous montre de près. Et on verra pour la action ce que je fais, si je vous la fais à côté ou pas. Donc voilà. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai mis une petite à la douche, donc je vous reprends. Voilà. Le dégât de Pegiso. Les diamants, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écart. C'est horrible. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais vous prendre avec moi. Voilà, il y a beaucoup trop d'écart. C'est... Je ne sais pas. Donc, je sais pas, je vais peut-être essayer de l'avancer. Écoutez, on va un peu l'avancer encore un petit peu. Et on verra un petit peu là. Ouais, ou là, enfin, cette partie. Et à cette partie, je vais mettre du washi. Tiens, je vais mettre du washi. Vu que j'étais en période washi tape, autant continuer. J'avais pris quoi? Du noir. Ah, je sais même pas où je l'ai mis, la Elephant. Ah, si, elle est là. On va mettre du washi tape. Et on verra la semaine prochaine, hein, du coup, parce que ce week-end, je suis pas sûre d'arriver à vous prendre un peu plus ce que j'aimerais vous prendre. Voilà, on va essayer, hein, on va essayer de rush le week-end. Hein, mais c'est vrai que moi, le week-end, c'est pas très... c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, attendez, je vous repose. J'ai mal de tête. Hein. Donc, voilà. On va essayer, on va avancer jusqu'à là, la semaine prochaine. Donc, voilà. Je pense que, voilà, on reprend un peu le DP, on se débloque un petit peu avec tout ça, tout ce qui s'est passé, tout ce que je vous ai raconté hier soir. On essaie de se débloquer et on refait vraiment du DP. Donc, voilà, mais on va continuer un peu le colo aussi parce qu'il y a pas mal de les défis qui m'intéressent, que j'ai envie de faire. Donc, je sais pas, on va arriver à tout groupier, même si le temps, la journée, comme dit Jess... On devrait rallonger la journée. Enfin, moi, ce serait toutes les soirées pendant que les enfants dorment. Mais voilà. Hein, on fait comme on peut. Et je voulais vous montrer aussi, je me suis trouvé un petit système de rangement. Enfin, vous devez connaître, vous savez, c'est les trucs de maquillage à Action qui vendent. Et du coup, je me suis mise à mettre des stylets, des pinces, mon petit ciseau, un aimant, une petite colle. Je vais en remettre un peu plus après. Voilà, mon ciseau qui est rangé bah, de l'autre côté.
Donc voilà, et je devrais mettre, je pense que je vais vouloir mettre mes washi tape que j'utilise pour les DP en ce moment. Donc on va mettre celui-là qui est pour le DP, bah, le soulmate. Ça c'est pour le, bah, celle-là, la panthère, non mais spider. D'ailleurs, il faut que j'aille répondre à la question. Dragon Attack, s'il y en a plus, si t'es en rupture, et Empokora, bah c'est bon. Voilà, et ouais, et la semaine prochaine, on va se mettre un peu à chanter dans ces Empokora aussi. Voilà, donc bah, écoutez, vous savez quoi? Je vous reprends un peu plus tard, on va essayer de se reprendre un peu plus tard. On va essayer l'encollage de la gorge aussi. Je vais pas rester longtemps sans surveillance parce que le petit me met de l'eau partout. J'ai pas peur qu'il se noie, mais j'ai peur de ma douche. Donc voilà. Et ben c'est tout, écoutez, hein. On se motive, on se motive. Allez, 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 on se motive. Allez, à plus tard. Voilà, voilà, je vous reprends des samedis. On est fin d'après-midi. J'ai pas pu vous prendre encore. J'ai pas pu vous prendre de la journée. J'ai fini ma petite zombie. J'ai fait la, du coup la peau bah, hors caméra. Parce qu'en fait, je me suis dit, je vais essayer de le faire tranquille en off comme ça. Et voilà. Après, si vous trouvez bien fait, bah, vous me dites en commentaire, je vous fais le tuto, il n'y a pas de problème. Mais bon. Je crois que Zazu, elle en a un de tuto dessus sur ce genre de peau. Je suis plus sûre. Donc voilà. Donc voilà. Mon petit coloriage terminé pour la catégorie buffet à volonté. Voilà. Donc là, on va passer à quelque chose un peu plus soft pour l'instant. Hein. Et voilà. Et si j'ai le temps, bah, je ferai peut-être la double page, pourquoi pas. Voilà, allez, je vous reprends plus tard, bisous. Me revoilà, donc j'ai fini la première petite partie de la ligne, là. Là, je me retrouve avec ce petit carré à faire. Donc voilà, là, j'ai pas encore fini mon petit carré. Et je pense qu'après, je vais faire, je sais pas. Je sais pas encore comment je vais faire, mais je pense que je vais bah, finir cette zone. Et après, on verra de l'autre côté. Mais pour l'instant, bon, de près, ça fait des écarts. Mais de loin, ça va. Je trouve que ça fait, ça a l'air d'avoir un bon rendu. Donc, on verra par la suite. Donc, voilà. Allez, à tout à l'heure pour la pause. Hello. J'espère que vous allez bien. On est dimanche. On est en fin d'après-midi. Et je vous prends pour le dernier rush du vlog numéro 2. Donc bah là j'ai changé le téléphone, mon père il m'a donné son ancien téléphone. Du coup là j'ai en train de récupérer, j'ai récupéré un peu de mémoire et tout. Donc on verra la qualité, je pense qu'elle sera bien meilleure que celle qu'il y avait, que j'avais. Donc bah voilà, toute la semaine là on va essayer, je vais essayer de me familiariser avec le nouveau téléphone. Et vous aurez un vlog un peu plus de... avec des images de qualité, on va dire. Voilà. Donc, bah sur ce, j'espère que ça vous aura plu, cette petite semaine avec moi. J'espère que, ben, je vous ai pas trop saoulé, avec mon côté contradictoire. Et puis, voilà. Donc, sur ce, et ben moi, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Voilà, allez, bisous.